Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Crusader Kings 3 avec l'impératrice Sibylla. Elle commence à vieillir un petit coup, là, 66 ans, mais en bonne santé, il n'y a pas de raison de penser que ça puisse pas continuer. Bon, elle est irritable, meurtrière, sorcière et bâtarde légitimée, mais après tout, faut ce qu'il faut. Elle est aussi théologienne, festoyeur réputé, faiseur de miracles. Ah non, il y a deux rangs. Ouais, non, ça c'est un trait de vie, ça. Trait de mode de vie, trait de mode de vie, d'accord. Trait de mode de vie. Oui, mais tu mélanges tout là, c'est pas la même chose. D'accord, bon, bah écoute. Vérifions tout ça. Théologien. Là, on n'a rien été chercher, là non plus. On n'a pas fait tant que ça, hein. Je trouve qu'il me faudrait encore plus de bonus. J'ai hâte de faire une nouvelle université, puis encore une autre. Et puis on n'est pas très loin de Bagdad quand même, là. On pourrait pousser, on pourrait aller chercher Bagdad. J'y mettrais bien mes fesses, hein. Pourquoi? Bah parce qu'à Bagdad, on a ici la maison de la sagesse, hein, qui donne expérience mensuelle du mode de vie plus 15%. C'est l'équivalent de 3 universités. Franchement, je pense qu'on pourrait pousser un peu. Bon, les irasulides pourraient nous en vouloir un peu, mais en même temps, qui s'en f... hein? Bon, voilà quoi. Go. On va commencer par Tripoli même. Allez, on y va. On n'a pas les mangonos qu'il faut, hein. En route, hein, abandonner l'idée. Ça va se faire tout seul, ça. C'est qui que j'assassine? Oui, mon héritière, ma petite fille. Bon, j'ai capturé quelqu'un, 70%. Donc ça devrait quand même être vachement plus facile maintenant. Hop là, allez go. Putain, on a deux trucs. Mais tant mieux. Ah ouais, on a que 384 mangonos, c'est plus comme avant, hein. C'est plus comme quand on en avait, je sais plus combien. Plus, toujours plus. 8 fois 120. Bon, ça a remonté un petit peu pendant qu'on passait par là. Dis-moi que ça va être bon. Ça risque de déclencher une nouvelle guerre, j'ai l'impression, puisqu'il est en guerre. Allez, valide. Maintenant. Et toc, c'est bon. Plus du tout. Même pas de nouvelle guerre, c'est parfait. C'est quoi cette faction dangereuse dont on parle? C'est les paysans, hein? Ouais, c'est les paysans. Bah, ça tombe bien, je suis pas en guerre, donc ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, les paysans. Des titres peuvent être créés, pas de royaume. Des guerres peuvent se marier. Ma fille, Louisa. T'es comment? T'es pas trop mal. Va te marier avec un Herculéen. On cherche de l'Herculéen. Tiens, bah. Parfait. Mon petit-fils. Très bon, vigoureux, génie, mais il n'est pas magnifique du tout. Alors marie-toi avec une des filles de la famille. Ouais, une fille un peu plus... plus robuste, plus... une arrière-petite fille, waouh. Il y en a des biens quand même, hein. On va classer ça par âge. Celle-là, elle a 5 ans. Mais elle est bien, hein, donc bah go. Pas besoin de matrilinéariser. Très bien pour ça. Des prisonniers peuvent être rançonnés, tant mieux. Je peux exiger des paiements. Je suis premier dans la ligne de succession d'un comté. Trop de duchés possédés. Je le savais. Je peux négocier une alliance avec un duc dont j'ai rien à faire. Je peux accorder un titre. Tripoli, je te le donne à Antioche. Ma petite fille. Accorder des titres. Tripoli. Bien. Alors, ce fichu royaume. Il est là, il est pas là. 11. Bon. Ça, j'ai le roi. J'ai pas le roi. Homme, ça. J'ai le roi ou j'ai pas le roi? Pas le roi. J'ai K2 à main. J'ai pas le roi.
d'appartenir à quelque chose de plus gros. Raka, t'as l'air un peu célibataire. J'ai pas de casibilité contre ça. Et eux, là, ils sont pas en Syrie, là, de toute façon, hein. Ça, c'est du Syrie, ça. Zaporie machin, là. Comté de Acre. Je peux te prendre le comté de Jure, le duché de Jure. Alors, changer l'objectif. Personne n'a d'objectif là-dessus. Mais là, comté de Jure. Non, je peux pas t'attaquer pour ça. L'Empire byzantin. Ça va jusqu'où la Syrie? Redis-moi, redis-le-moi. Ah, de toute façon, ça s'arrête là. Bon, bah, on va être obligé d'attaquer les Fazilides. Pour leur prendre ça. Ça, c'est Rhodes. On peut pas déclarer la guerre. Fazilide. Westlo. Turov. Ils ont des trucs dans le nord et c'est ça qu'on peut récupérer, c'est ça? Ouais. Bah non, alors. Du coup, il va m'en manquer un. Non, je peux attaquer les gros là. Voilà. Le duché de Alep. Ou la guerre sainte pour un comté. Hein. Bon, bah une guerre sainte contre, pour un comté contre 20 000 hommes. Juste pour pouvoir faire un petit royaume. Qu'est-ce qu'on n'aura pas fait pour vous, franchement? Franchement. J'espère que je serai remercié. À ma juste valeur. Il m'en manque beaucoup des mangonos, là, dis-donc. Objectif de guerre déjà. De toute façon, fallait bien qu'on fasse face à ces Irazulides, hein, tôt ou tard. Hein. Alors, Jérusalem. 3. C'est bon, c'est bon. Sienne, le château, la ville. Sienne, c'est vraiment fini. Hein. Madrid. Madrid, je crois que c'est pas. Non, c'est toujours pas fini. Salisbury. Ah, c'est en train de se finir. Ah, bah non. Salisbury, on a le temps là. Les guildes. Coimbre. Coimbre, c'est fini aussi. Bologne, Padoue. Casantio. Et on continue. Embrassez la foi messalienne et ça sera chez vous. Par contre, là j'ai assez de troupes. Là, fiche-moi la paix. On va juste poursuivre en fait pour être sûr que. À Oxford. Ouais, tout est bien là maintenant. Cité 3,
plus que 5, c'est parfait. 8% de score de guerre, c'est l'objectif? Ouais, non. Pas d'objectif, c'est quoi l'objectif? Je l'ai pourtant l'objectif. Ah, mais c'est une guerre de religion, donc ça compte pas, c'est ça? De toute façon, on va aller chercher la capitale. Hein. Toi, tu vas faire 5000 hommes, tu vas les diviser par deux, tu vas en envoyer un là, un là. Et nous, on va se déplacer vers là-bas. Voilà. Hop, on laisse 2000 hommes ici. Je pourrais même les envoyer là-bas en fait. On va relaisser 2000 ici. Hop. C'est ici que je vais. Par contre, ça serait bien de mettre un dirigeant là-dessus. Hop, là, il a 12 000 hommes là-bas. Il va me faire mal. C'est quoi ça? C'est le sultan Razulid. Allez, hop, on y va. Sans invitation. Zou. Bah je l'aurai une autre fois, c'est pas grave. Pas comme si ça pressait. Hop là. On arrive presque à la capitale déjà. C'est la fête. Ah, on va se faire massacrer. Là aussi. Et ensuite, c'est moi qui irai le massacrer. Les gens se marient. Tu cours tellement vite, toi. Ça y est, j'ai pris quelqu'un en otage. On appuie les demandes, on disperse. On s'est rapproché un peu de Bagdad. Et puis, ça nous a prouvé qu'il était vraiment loin d'être impossible d'aller choper Bagdad. Hein. C'est juste pour le plaisir, hein. C'est pas non plus, c'est pas méchant. Hein. Je peux créer le royaume de Syrie sans blague. Ah mais je te jure. Alors, je peux t'accorder le royaume de Syrie. Ça serait pas trop compliqué. Tu le paumes pas. Hein. Voilà, ça y est, tu deviens indépendant. Est-ce que je peux te transférer quelques vassaux? Probablement pas, parce que l'autre, il a tout pris, lui. Là, le... Ah, il y a Karwan, là. Je te transfère Karwan. On a qui d'autre? Ça, ça a l'air d'être chez nous, ça. Hein, ben, ça ne l'est pas. Ouais, ici, là, il y a un petit truc, le duché des îles Égées. Hop. C'est la Syrie. Ok, bon. On aura bien avancé quand même. J'ai de la tyrannie à faire, moi, ici. La France. C'est quoi tous ces trucs qui partent dans tous les sens, là, normalement? C'est pas comme ça que ça marche, hein? France, je veux te soustraire un vassal. Celui-là, là. T'as fait que deux d'opinion en moins. Franchement, tu vas pas me dire non.
Merci. Ah, c'est champagne. Champagne, je veux te soustraire ce vassal-là. Ah, c'est toi? Ben, je vais te révoquer ton titre de ça. Non, t'es un vassal, ça. C'est toi quel truc de Castelbrango, là? Non, c'est pas toi qui l'as, alors. De quoi je me mêle? C'est un de tes vassals. Non, je comprends rien. Le comte de Castelbrango. Comte Michael de Rethel, d'accord. C'est le comte Michael de Rethel. Faut que vous arrêtiez de vous. Faut monter votre autorité, hein, les gars. Hein. Voilà. Et non, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Et toi, évidemment, t'as deux titres, donc faut que je te révoque l'un des deux. Juste pour un truc, on a pris 22 de. Eh ben, dis donc, c'est pas gagné. Hein. Voilà, bon. J'espère que tu vas apprécier le fait que je te le rende. Slavie, Piémont. Bavière. Pourquoi Piémont est indépendant? C'est quoi cette blague? Et puis Provence. Provence, t'as des terres jusqu'où, toi? Provence. C'est à toi, ça? Ah bah, je te révoque ce truc. 96. T'as pas intérêt à me faire une scène parce que je vais gueuler. Très bien, alors maintenant, tu n'as qu'un comté, c'est le Venessin. Je crois me souvenir qu'on est venu du coin, nous, hein, côté de Provence. T'as une tête de boson. C'est marrant, hein, mais c'est l'île Jourdain. Comme quoi les choses évoluent. Les choses évoluent en 400 ans presque, hein. Eh ouais, Seigneur Lige. Alors, Seigneur Lige, très bien. Et tu as qui comme vassaux? T'as trois comtes. Un premier comte qui a. Qu'un seul comté. Le comté de Forcalquier. Très bien. Deuxième comte. Odoric de Nice. Très bien. Continue. Et dernier vassal. Le comte Guilhem de Provence, qui n'a qu'un seul comté. Comté de Provence. Très bien. Donc on est d'accord que je peux te filer à la France. Alger. Alors, Alger, il faudra m'expliquer ce qui s'est passé. Hein. C'est pas très propre tout ça. Aquitaine, le prince hélas de Aquitaine. T'as qui comme vassaux, toi? T'as des comtes dans tous les sens. Périgord, Barry, Chania, ouais, Penthièvre, Limousin, Kerch, Ketchia. T'as des trucs trop loin là, hein. Ça va loin. T'as gardé des comtés un peu partout, j'imagine. Ouais, ben voilà. Aquitaine, Aquitaine. C'est pas très propre tout ça. La Slavie ici. Slavie, elle m'aime pas. Si je te soustrais un vassal, tu vas faire la tête. Non, pas du tout. Très bien. Chuda. Ah, par contre, Chuda, elle a plein de trucs, elle. Alors, Chuda. Alors, ici, là. Vassaux. Comtesse de Ustug, c'est à toi? Non, c'est la comtesse Vassa de Quenu. Suis trop tyrannique pour qu'ils disent quoi que ce soit, les gens. Toi, t'as deux, voilà. Toi, t'as deux comtés. Donc, fatalement, on va t'en révoquer un. Oh oh, ça, c'est pas bon, ça. Donc. On va t'accorder un duché, on va créer un duché dans le coin là. Tiens, je te crée ça. Je t'accorde le duché de là.
Un duché tout nul. Duché de Finlande, tiens, je te l'accorde. Et je te révoque un titre maintenant. Le comté de Tolède. Voilà. Parfait. Bon. Et maintenant, c'est long. C'est long, c'est long. Maintenant, toi, je t'accorde ça. Du coup, tu m'adores. Un peu. Combien de tyrannies? 45. Pour faire deux comtés, c'est 45 de tyrannie. Bah, heureusement que j'ai toutes les réductions possibles. C'est la honte. C'est la honte. Toi. Piémont, c'est quoi ça? C'est un vassal. Tu possèdes le comté de Novara et le comté de Langres. Piémont, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et le comté de Langres, c'est toi qui le possèdes? T'es sérieuse? Non, bah on en reste là. Cueno. Ah, Cueno, il a deux trucs. Il a. Ah, bah les deux sont à côté, c'est ça, c'est deux. Non, c'est pas deux trucs. Alors explique-moi. Comté de Alcador del Sal, très bien. Et le comté de Cueno. Ah bah oui, d'accord. Ah bah oui. Du coup, je te révoque un titre. Cueno. Merci. Piémont, je t'accorde un titre. Du coup, tu m'aimes et t'es d'accord pour que je te révoque l'autre? Pas sûr. Hein. Tu pourras accepter à 93%. Si on te file un petit truc, ça pourrait passer. Tiens, toi, je vais te transférer un vassal. Voilà. Bon, bah, on a commencé à travailler doucement sur notre Hispanie. Mais j'ai l'impression que ça se délite. Ça se délite parce qu'ils passent pas leur autorité de la couronne, donc ils perdent leur terre. Hein. Je sais pas si on y arrivera. Dans CK2, j'arrivais à faire ce genre de choses là. Là, j'ai l'impression que ça va plus vite que je ne suis capable. Regardez, la Suède, Venise avait des terres. J'étais quasiment sûr que j'avais fait l'Angleterre presque en entier. La Slavie, Venise, Suède, avec leur mariage, leur truc et tout, ça finit par se réunir. Ça fait des trucs trop moches et normalement ça devrait pas pouvoir avec une autorité de la couronne haute, mais je n'arrive pas à savoir en regardant les royaumes quelle est l'autorité de la couronne. Ça aussi c'est des petites choses qui manquent. Je pense que on est en train d'arriver au bout des possibilités sur CK3 version actuelle, quoi. Qu'il nous manque pas mal d'outils, il nous manque pas mal de contrôle. J'arriverai pas à faire des beaux trucs, hein, parce que là j'ai tout mis pour avoir le maximum de tyrannie. 3 comtés, en fait, ça ne cesse de bouger. Ça fait des trucs tout moches. J'aime pas ça, j'aimais bien dans ces CK2 pouvoir faire des beaux royaumes bien, bien de jure, bien propres. On changeait le de jure, hein, bien sûr. Là, d'ailleurs, les de jure ne changent pas. Pourquoi? Tu possèdes rien en entier, apparemment. Tu ne possèdes rien en entier. Là, c'est pareil, tu possèdes rien en entier. C'est pas normal ça que le royaume d'Angleterre soit pas en train de s'installer à côté, quoi. T'as quand même tout là. T'as bien des duchés en entier. C'est bizarre que ça change pas. Peut-être parce que je détiens les titres de royaume. C'est peut-être pour ça. Ah ouais, c'est triste. C'est triste ou net. Bah, je peux pas non plus passer ma vie à les voler, hein. Et ils vont se scinder sinon sans cesse. Ok. Bon. Eh ben nous, on va attendre que ça explose ici. C'est fait. T'as une tête d'anglais, toi.
Narbonne. On va dire que vous êtes dans le coin. Ils sont revenus, mes mangonos? Ouais, ils sont revenus. J'en ai pas tellement besoin pour ça, mais... Oula, il y a beaucoup de sièges, dis donc. Oh non! Ça devient insupportable. C'est triste, hein? C'est triste, mais entre le fait qu'on n'arrive pas à gérer les royaumes en distribuant, en les séparant, en leur redonnant les bonnes terres, on peut même pas voir leur autorité et ce système de croisade qu'on ne peut pas contrer parce qu'on ne prend pas de score de guerre lorsque l'on... C'est triste, hein. J'ai tellement envie d'aller tuer tous les catholiques. Je vais aller tuer tous les catholiques, hein. Je vais vraiment me trouver un moyen d'aller ici. Ils sont en train de se faire avoir ici, mais ici, ils tiennent bon. Il doit pas en rester beaucoup, hein. Faut que je trouve chaque catholique. Ouais, il faut trouver chaque... Et encore, après, je ne me sais même pas si on va avoir des facilités pour trouver les catholiques. Quatorze comtés, ouais, c'était 16 avant. Il m'entoure des trucs, mais je vois pas le rapport. Hein. Là, il me les entoure. Combien il y en a ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a un comté catholique ailleurs. Faut que je le trouve. Faut que je le trouve et que je le bannisse. C'est peut-être ça, non? Un adamite. On le trouvera. Mais tout est en Afrique, hein. Tout est en Afrique. Ça, il faut que je vienne changer ma religion, là, moi. C'est copte. Ah, c'est peut-être ça, non? Non, ça aussi c'est copte. C'est peut-être celui-là. Voilà, il est là. Et celui-là, je crois que c'est à côté de nous. Non, même pas. On a des petites terres un peu partout quand même. Hein. Là, je pourrais peut-être avancer quelque part. Mais faut que j'aille conquérir tout ça. Hein. Là, c'est fini. Hein, j'en ai marre maintenant. Ça va être la guerre aux catholiques. Les croisades commencent. Dis-moi où t'es, toi. À Paris, c'est très bien. On va venir te chercher. Jetez-le en prison. Les prisonniers peuvent être rançonnés. Maison, c'est ça? Tout le monde crée une maison, ça sert à rien de faire vos maisons tous. Allez, allez, go. Ici. Voilà. Après, on va en Angleterre. C'est bon, dispersé. Ouais, qui fait plaisir. On va pouvoir aller. On a 16 de domaine. J'ai dû garder, avoir des petits trucs en trop.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah oui, c'est un truc que je dois donner à l'anglais, ça. Tiens, je t'accorde ça. Hop là. Je suis pas trompé, hein. Ça, c'est la France qui possède des terres. France, Suède, Venise, Slavie. Et l'Angleterre qui possède des trucs ici, décidément. Décidément, on fera jamais de trucs très beaux. Hein. Je vais renoncer pour cette partie-là du jeu. Hein. Faire des belles choses et tout, le coup de la tyrannie et tout. On a testé avec elle, avec ce personnage. On n'a même pas réussi à faire l'Espagne. Hein. Même pas. Hein. Donc franchement, c'est décevant les mécanismes. La tyrannie est trop chère. Trop cher, hein, vraiment trop cher. 20 de base pour un royaume, 16 pour un petit titre. Même pas, c'est 20 de base pour un petit titre de comté en fait. Hein. Que ce soit un royaume ou un comté, c'est 20, 20. Donc c'est énorme de tyrannie sur le monde entier. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en fait en Angleterre que j'enlève un comté à côté de Jérusalem? Rien en vrai. En vrai, ils n'en entendent même pas parler. Donc là, c'est mal fait ça, ce système-là. Il est trop violent et le manque de contrôle par les pays, par les royaumes de leur terre, et le fait qu'ils créent. Alors, je voudrais bien, ça ne me dérangerait pas, qu'ils créent des royaumes, que je leur revolte, que je les détruise, qu'ils les recréent, etc. Pour aider la transition et favoriser l'expansion. Mais sur CK2, j'arrivais très facilement à faire en sorte que mes vassaux. Et des royaumes qui s'étendent, c'est-à-dire que le royaume de Jure s'étende. Mais là, c'est plus le cas, ça s'étend pas. Vous voyez, juste là. Il est en train de faire partie du royaume de Suède bientôt. Il n'y a que là. Peut-être parce que j'ai pas le royaume de Norvège. Si, pourtant, je le possède, ce royaume de Norvège. Donc, c'est possible, c'est juste que c'est très rare. Ça arrive pas, quoi, en fait. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense qu'il les faut tous, ou je sais pas, avant c'était duché par duché, maintenant ça n'a pas l'air de se faire aussi bien. Et avant on pouvait faire des jolis royaumes, des grands royaumes de la taille d'un empire, et donc en fait on était nous empereurs. Les royaumes disparaissaient et passaient peu à peu dans notre empire, alors ça je pense que ça se fait. Voilà. Les autres empires sont en train de disparaître. D'ailleurs, l'Empire d'Italie est en train de disparaître bientôt. L'Empire d'Espagne est en train de disparaître. Ils sont tous en train de disparaître. Ça, il n'y a pas de problème. Les empires disparaissent. Par contre, les royaumes ne disparaissent pas. Les duchés, il n'y a que là où ça fait un petit coup. Où ça se. Et moi, l'idée, c'est que les titres que je conserve là pendant un moment, au bout d'un moment, ils disparaissent et j'ai plus besoin de les garder. Mais là, non, ils restent là. Ça, c'est une petite déception. Parce qu'on ne peut pas faire des choses aussi jolies qu'on pouvait le faire sur CK2. Et puis, bah, les terres sont très 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 mal contrôlées. Hein. Il n'y en a aucun qui monte sur nos autorités. Et normalement, avec l'autorité de la couronne élevée, je rêve pas non plus. Voilà, les vassaux ne peuvent pas engager de guerre à moins qu'ils utilisent un hameçon. Les dirigeants peuvent désigner leur héritier. Les vassaux du gouvernement clanique fourniront au moins 25% de levée et de 10% de revenus. Ouais. Les titres des vassaux ne peuvent pas être hérités par les personnages à l'extérieur du pays. Voilà. Tous les vassaux qui refusent la révocation de titre ou la soustraction sont considérés comme des criminels. Donc. Voilà, il n'y a pas de. Ça devrait pas. Donc, ils n'ont pas monté leur autorité de la couronne. Personne, aucun. Et ça part en vrille dans tous les sens. Et on est en 1200 quand même. On n'est plus en 800 là. Donc, excusez-moi, mais quand même. Voilà, petit coup de gueule. Mais c'est normal, mais c'est normal. Le jeu est tout frais encore. Hein. Il est tout jeune, mais je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus testé, un petit peu plus poncé. Sur ce genre de choses, on a trouvé pas mal d'exploits, de bug abuse possibles et franchement, ça, j'ai hâte que ce soit patché, 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 patché à fond. Pas pour enlever les exploits, mais pour améliorer la qualité de vie et les possibilités
Parce que le endgame, là, il est pas propre. Quand on fait une conquête du monde, on a vu que le PC, il peut plus tenir. C'est pour ça que je me limite un petit peu, hein, quand même. Hein. Et quand on... Il y a plein de petites choses, en fait, qui sont... qui tournent mal dans le jeu. Mais bon, encore une fois, hein, le plaisir, il est là. Il est énorme. Allez, faut que j'arrête ma partie. Constantinople. Je vérifie juste que j'ai pas de truc à construire. Salisbury... Je crois que c'est fini. Non, pas du tout. Il y aura ça, bien sûr. Coimbre, c'est fini, par contre, c'est sûr. Pas du Boulogne-Coimbre. Sienne aussi, c'est sûr, c'est fini. Voilà. Donc, et Madrid. Voilà. Bon. Eh ben, il va falloir qu'on se bouge un petit peu les fesses pour aller récupérer tout ce qu'il nous faut pour unifier l'Italie. On a beaucoup de travail, ça va être notre prochain objectif. Allez, unifier l'Italie. Bologne. 39. L'université de Bologne, c'est pour bientôt. L'université de Sienne. L'université de Naples, elle est déjà là. Hein, donc, on va pouvoir passer sur Madrid, sur les universités espagnoles. Les trois universités espagnoles, puis après on aura les deux universités là-bas. On en a une à Fès aussi qu'on pourra venir chercher éventuellement un jour. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à tout de suite pour la suite.